fais du recyclage de recyclage. Je vais te montrer ça. Ça, c'est un meuble en carton que j'ai fait en 2015. Donc là, on est en 2022, il a 7 ans. Alors, pour la petite histoire, au départ, je l'avais fait comme un meuble à chaussures. À l'époque, je l'avais mis à la place de mon bureau. Tu peux aller voir dans mes précédentes vidéos. J'ai un bureau derrière une porte. Et en fait, j'avais mis ça, mais j'avais fait un meuble à chaussures dedans. Mais le problème, c'est que bah, les chaussures dans le salon, ça ne me branchait pas trop. Donc, j'ai trouvé une solution pour réussir à caler un tout petit meuble à chaussures dans mon entrée pour pouvoir utiliser ce meuble-là. Et finalement, bah, j'ai mis à côté des autres où moi, où j'ai rénové l'appartement. Et du coup, bah, voilà, bah, maintenant, il me fait encore rangement de bureau, quoi. J'ai des classeurs, j'ai des enveloppes, hein, parce que moi, je récupère toutes les vieilles enveloppes et puis bah, ça peut resservir. Alors, si tu viens de rentrer dans un nouveau logement et que tu as besoin de créer des meubles en carton sur mesure, bah, sache que je propose des cours et des formations sur la création de meubles en carton. Tu peux aller voir tout ça sur mon site allocarton.com. Dessus, bah, il y a tous les tarifs, toutes les possibilités. Donc, n'hésite pas à aller voir sur mon site et puis à m'envoyer un petit mot si tu es intéressé. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt.